I would like to start to thank the CRCC for the kind invitation. I remember the time when I firstly got in contact with this organization on the occasion of a ICOMCC meeting in Ottawa. It was in 1918, and I didn't dare to approach Françoise Vlider because she was such an important and respected person. Now that changed, and we came in rather close cooperation, which lasted nearly over 30 years, and even the new director continued. So we are talking about innovations or innovative approaches and research in for sustainability. And our first speaker will be Véronique Rochon. Véronique Rochon is a conservation scientist, a material scientist with an additional background in art history, as far as I learned. I met her first on the occasion of a summer visit in La Rochelle, where she used to work, and where we exchanged some of our research experiences in iron gall corrosion. She will give us a lecture on covering two topics. It was not quite clear. I couldn't extract it from her beforehand why she changed to the pyritic materials besides iron gall eggs. Véronique Rochon, it's on you. Thank you, Gerhard, for this introduction. Je vais profiter du luxe qui m'est attribué de pouvoir parler en français et je vais faire cet exposé en français. Voilà. Donc, il s'agit ici de parler de recherche en conservation en évoquant donc la possibilité d'allier un peu patrimoine culturel au patrimoine naturel. Alors, j'ai compris que c'était un sujet qui paraissait assez improbable à certains et je vais essayer de clarifier les choses. Que le patrimoine naturel inspire le patrimoine culturel est une chose évidente. La nature est une source inépuisable d'inspiration. L'inverse est cependant plus difficile à imaginer. Par quel biais le patrimoine culturel, essence même de l'homme, pourrait-il bénéficier au patrimoine naturel? Un mot permet de tracer un trait entre ces deux entités. Il s'agit du mot « conservation ». On parle aussi bien de conservation du patrimoine culturel que de conservation du patrimoine naturel. Et je vais essayer dans mon propos de vous montrer que la recherche que l'on mène dans l'un de ces domaines peut bénéficier également à l'autre. Je ferai référence pour illustrer ce lien à deux problématiques très différentes l'une de l'autre, tout au moins en apparence. Celle du patrimoine graphique comportant des encres ferrogalliques, on ne renie pas son passé, et celle des collections paléontologiques contenant des fossiles pyriteux. Commençons par les encres ferrogalliques. Voici un dessin qui représente une marine et sur lequel on perçoit un décalage entre le lavis et le trait. Le lavis est resté d'un gris neutre, alors que le trait est devenu marron, brun, et présente certains halos qui correspondent à une dégradation du papier. Ce décalage est dû à l'emploi de deux encres de nature différente. La première, gris neutre, correspond à une encre au carbone, très stable, alors que la seconde correspond à une encre ferrogallique qui, elle, évolue avec le temps et endommage son support. De quoi sont faites ces encres ferrogalliques? Eh bien, tout d'abord, d'extraits végétaux réalisés le plus souvent à partir de noix de galle. Ces noix sont riches en tanins et produisent sous l'effet de la chaleur et de l'acidité des polyphénols carboxyliques tels que l'acide gallique. Lorsqu'on ajoute à l'extrait obtenu un sel de fer, comme la mélantérite, sulfate de fer de heptahydraté, on obtient instantanément un précipité de couleur sombre noire caractéristique d'un galate de fer 3. Le troisième ingrédient est la gomme arabique avec laquelle on obtient une suspension de ce précipité. Ce précipité ferrogallique est connu pour avoir une certaine stabilité. Il n'en reste pas moins que les encres présentent toujours une certaine proportion de fer dit libre, qui est susceptible d'interagir avec le support papier. Cette interaction provoque au long terme une dégradation qui se traduit par un brunissement au verso de l'écriture, de petites lacunes localisées sur le trait, voire un émiettement total du support.
Cette dégradation est généralement présentée comme le résultat de deux mécanismes principaux. L'hydrolyse acide, provoquée par l'acidité des encres, et l'oxydation de la cellulose, provoquée par des radicaux hydroxyles, dont la formation est catalysée par le fer libre à travers des mécanismes de Fenton. Il a été montré que la production de radicaux hydroxyles par des mécanismes de Fenton, négligeables en milieu acide, augmentait avec le pH au-delà de pH 7. De plus, l'examen de documents originaux a montré une certaine corrélation entre la couleur au verso des encres et le pH de ces encres. Cela porte à croire que l'hydrolyse acide est le mécanisme dominant en milieu acide de la dépolymérisation de la cellulose provoquée par les encres ferrogaliques. En revanche, dans le cas d'une désacidification, la production de radicaux hydroxyles devient plus importante et la dégradation des papiers se poursuit à travers des mécanismes d'oxydation, y compris dans des conditions assez douces de pH. Il a été montré que ces mécanismes d'oxydation pouvaient engendrer des coupures de chaîne et qu'ils étaient liés à des radicaux hydroxyles. Voilà pour ce que l'on trouve dans la littérature. Maintenant, une récente étude donne un éclairage un peu différent. Elle a été effectuée sur des papiers imprégnés à cœur de solutions préparées à partir de différents ingrédients de l'encre. De tous ces ingrédients, le fer s'est avéré de loin le plus dommageable, à tel point que la dépolymérisation devient mesurable à température ambiante à l'échelle de quelques semaines, voire de quelques jours. Ce point était pour nous particulièrement intéressant. Si je reviens sur l'œuvre ancienne, la dégradation est perceptible après plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Si bien que pour étudier ces phénomènes, sur des papiers de laboratoire, on utilise généralement des méthodes de vieillissement artificielles avec des températures élevées. Or, sur nos échantillons, il suffisait de quelques jours à température ambiante. Cette aubaine a été mise à profit pour étudier à température ambiante l'impact des facteurs environnementaux comme l'oxygène et l'humidité. L'humidité, contrairement à nos espérances, s'est avérée avoir aucun impact sur la dégradation. En revanche, l'oxygène est un facteur prédominant. La dépolymérisation des papiers n'a été considérablement ralentie, voire stoppée, qu'en conditions drastiques d'anoxie. Ce qui nous amène à considérer qu'en présence de fer, l'oxygène est le principal vecteur de la dépolymérisation en milieu acide, probablement du fait que la cellulose oxydée se réarrange en donnant lieu à des coupures de chaîne. Pour mieux comprendre les mécanismes en jeu, nous voulions mener un travail fondamental pour identifier les espèces réactives de l'oxygène présentes dans ce système. En France, comme ailleurs, crise oblige, les financements de thèse deviennent rares. La conservation du patrimoine est un domaine qui fait certes rêver, mais cela ne se vend pas bien. Il y a cependant depuis quelques années une restructuration de la recherche autour de pôles transversaux que l'on nomme l'ABEX, et où des chercheurs d'horizons très différents sont amenés à se rencontrer, à échanger, pour proposer des sujets de thèse communs. Car la règle du jeu est simple. Les thèses ne sont financées que si elles sont portées par deux laboratoires différents. Ce contexte est d'un côté contraignant, mais offre également de réelles opportunités. Il nous a en particulier permis d'établir un partenariat avec le laboratoire de réactivité de surface de l'université Pierre et Marie Curie, qui a conduit au démarrage du travail de thèse de Mademoiselle Alice Gimat. Donc ce démarrage a eu lieu il y a un mois, c'est encore très récent. Mais nous avons défini un programme que voici. Dans une première partie, nous essaierons d'identifier les espèces réactives de l'oxygène en jeu, en utilisant des méthodes de piégeage et différentes techniques d'analyse, à savoir résonance paramagnétique électronique ou encore chromatographie. Bien évidemment, la présence des espèces réactives de l'oxygène devra être corrélée à la dépolymérisation. À cet égard, l'impact de la température, du pH, du type de métal, de son degré d'oxydation pourront éventuellement être étudiés, ce qui permettra, entre autres, de définir des conditions qui soient propices à la dégradation. Un sujet de thèse se veut ambitieux, ce qui en définitive ne coûte pas grand-chose tant que l'étude n'est pas faite. Nous proposons donc d'identifier le lieu de l'oxydation et le type de produit obtenu en utilisant cette fois une molécule plus petite pour identifier plus aisément les produits formés. Différentes techniques pourront à ce titre être utilisées,
résonance magnétique nucléaire, éventuellement, si on arrive à se débarrasser du fer, spectrométrie de masse ou chromatographie. Nous espérons que ces deux approches nous fourniront des éléments objectifs pour proposer un mécanisme de dépolymérisation qui permette de mieux comprendre l'effet délétère du fer sur le patrimoine graphique. Mais alors pourquoi ce sujet de thèse intéresse-t-il le laboratoire de réactivité de surface ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'inscrit aussi dans le domaine de la valorisation catalytique des ressources de la biomasse. Il s'agit d'un domaine de recherche aujourd'hui en pleine expansion qui vise à faire de la chimie en remplaçant la matière première fossile par une matière première verte. La cellulose est l'un des constituants majeurs de la biomasse et une meilleure compréhension de sa dépolymérisation en présence d'éléments de transition pourrait être mise à profit pour fabriquer par catalyse de petites molécules plateformes. Cette démarche d'utilisation de la biomasse n'est pas neuve et il y a déjà de nombreuses équipes qui travaillent sur ce sujet. On constate cependant que la plupart des travaux portent sur la catalyse hétérogène et en particulier sur l'hydrolyse et l'hydrogénation dans des conditions dures, utilisant des pressions élevées, des métaux lourds et qui sont donc polluantes. Une autre voie, largement mentionnée en catalyse homogène, mais peu étudiée en catalyse hétérogène, est celle de l'oxydation au milieu très acide. Elle permet d'obtenir des acides carboxyliques comme l'acide gluconique. L'idée de ce travail de recherche est donc de combler ce manque en essayant de décomposer par oxydation la cellulose en catalyse hétérogène cette fois, et en utilisant des catalyseurs de type fer et cuivre, et en étudiant l'influence des facteurs réactionnels que sont le pH du support, la température et la pression partielle en oxygène. Voilà, donc, pour la première partie de mon propos, je vais en venir maintenant à la seconde partie de mon exposé qui traite des collections paléontologiques contenant des fossiles pyriteux. Les matériaux fossiles dits pyriteux sont restés enfouis des millions d'années et ne sont parvenus jusqu'à nous en grande partie du fait qu'ils se trouvaient dans des milieux dits réducteurs. L'absence d'oxygène, souvent combinée à une activité biologique réductrice, assure une bonne permanence de ces matériaux lorsqu'ils sont enfouis. Il en va tout autrement lorsque ces fossiles sont recueillis sur des chantiers de fouilles, lesquels sont souvent, comme dans le cas d'Anjac, situés au niveau de la nappe phréatique. Le matériau, gorgé d'eau, est alors exposé à l'oxygène, ce qui est susceptible de provoquer une oxydation des espèces les plus réduites, comme les sulfures de fer. Dans certains cas encore mal compris, les sulfures de fer sont sensibles à l'oxydation qui peut ronger le matériau de l'intérieur, comme dans le cas de cette pyrite, ou bien l'altérer de l'extérieur, comme dans le cas de cette marcassite. Les sulfures de fer, de formule FeS2, conduisent en s'oxydant à des produits de la famille des sulfates, car c'est le soufre qui est le plus concerné par l'oxydation. Il passe d'un état d'oxydation moins 1 à plus 6, ce qui signifie qu'il perd 7 électrons. Cela laisse présager un grand nombre d'étapes intermédiaires. Le fer, quant à lui, est également capable d'échanger un électron pour donner du fer 3+, mais participe au phénomène d'oxydation de manière plus indirecte. Les causes de ces altérations ne sont pas toujours bien identifiées. Sont parfois mis en avant des mécanismes électrochimiques, résultant de phénomènes de microcondensation, par exemple, mais aussi une action biologique par des bactéries thio-oxydantes, par exemple du genre Thiobacillus, susceptibles d'exacerber des phénomènes d'oxydation latents. Et enfin, le type de sulfure et les impuretés présentes dans le cristal sont également mentionnés comme des facteurs influents. Dans le cas de la pyrite, il est établi que la présence conjointe d'oxygène et d'humidité provoque une dégradation bien supérieure à ce qui peut être observé lorsque ces facteurs sont considérés séparément. De plus, des études utilisant des marquages isotopiques ont mis en évidence que c'est l'eau qui fournit l'oxygène nécessaire à la formation des sulfates. Nous avons focalisé notre effort de recherche sur les collections de paléobotanique, en particulier sur les bois lignitisés et sur les schistes argileux. Ces spécimens ne présentent pas de cristaux de pyrite visibles à l'œil nu, tout au moins pas toujours. Ils montrent toutefois de belles efflorescences cristallines qu'il a supposé a posteriori qu'ils sont de nature pyriteuse. Ces efflorescences peuvent apparaître à la surface du fossile, sans corrélation apparente avec l'empreinte, ou au contraire suivre l'empreinte,
Elles peuvent aussi apparaître au cœur de la roche et seront alors visibles dans les failles ou derrière des écailles qui se détachent du matériau. L'analyse par spectrométrie Raman d'échantillons altérés a montré une large prédominance de sulfate de fer. Souvent, plusieurs phases de sulfate de fer 2 et 3 coexistent. L'exemple de ce bois lignitisé est frappant. Il rassemble à lui seul de la ferrinatrite, de la romérite, de la métavoltine, de la magnésiocopapite et de la coquimbite. Quant à son verso, on peut y voir de belles aiguilles de gypse, qui est un sulfate de calcium. Ainsi, toutes les efflorescences cristallines mesurées sur les spécimens des collections s'apparentent au groupe des sulfates, ce qui suggère qu'elles résultent de l'oxydation d'espèces contenant du soufre réduit. S'agit-il pour autant de pyrite ? Rien n'est moins évident. La famille des sulfures métalliques est en effet assez large, et le fer n'est pas généralement pas le seul métal présent dans ces matériaux. De plus, il y a une proportion non négligeable de matière organique dans les bois lignitisés et les schistes argileux, et on ne peut pas exclure que ce soufre réduit soit de nature organique, qu'il corresponde au moins pour partie à des thiols, des thioéthers, des disulfures, des sulfoxydes, voire encore des sulfones. Je n'ai pas la prétention de vouloir traiter d'un sujet aussi large que celui des fossiles pyriteux en quelques minutes. Je voudrais simplement mentionner qu'un travail de thèse a été entamé au CRCC en 2011 par Gillian Audin et que ce travail vise à reproduire sur du matériel nouvellement collecté les dégradations observées sur les spécimens, ceci de manière relativement reproductible. Nous nous sommes focalisés sur deux types de dégradations, des dégradations de type mécanique qui se traduisent généralement par des fractures, comme sur la vue de gauche, une perte de cohérence du matériau, voire, comme sur la vue de droite, un émiettement du matériau. Les dégradations de nature chimique touchant à l'évolution de la composition du matériau sont également abordées, en particulier toutes ces efflorescences cristallines, la formation de nouvelles phases cristallines à la surface des matériaux. Nous utilisons au besoin des procédures de vieillissement artificiel pour reproduire la dégradation. Dans le cas de l'encaissant des schistes argileux, nous avons constaté des comportements particuliers qui restent encore inexpliqués. Les dommages mécaniques ne sont pas corrélés aux efflorescences. Au contraire, on observe une altération mécanique ou, de manière exhaustive, la formation d'efflorescences. Ceci va à l'encontre des observations réalisées sur les spécimens, où l'on a parfois le sentiment que c'est la formation des cristaux qui fragilise la matrice, comme dans le cas de cette écaille dont on voit bien, lorsqu'elle se détache, qu'elle recouvre des cristaux de sulfate de fer 2. Ces décalages montrent la complexité qu'il y a à reproduire en conditions de laboratoire des altérations rencontrées dans les collections. Mais nous ne nous décourageons pas pour autant et poursuivons les expériences. Dans le cas des bois lignitisés, nous avons constaté que l'étape de séchage, au moment de leur excavation, était de loin la plus cruciale. Des bois très réactifs, comme ceux du site de Riftcourt, dans l'Oise, présentent des efflorescences en quelques heures lorsqu'ils sont excavés. D'autres, comme ceux du site d'Anjac, en Charente, se déforment et s'émiettent si leur séchage se fait trop rapidement. Pour limiter ces effets indésirables, nous explorons actuellement des pistes suivantes. Différentes méthodes de séchage en atmosphère contrôlée d'oxygène et d'humidité. Soufflux d'air sec, soufflux d'azote, dans des plastiques de perméabilité contrôlée en oxygène ou à l'eau. Mais aussi des lavages dont l'objectif est de provoquer une oxydation plus ou moins lente du matériau et d'en extraire les produits oxydés tels que les sulfates. On espère ainsi que le matériau ainsi lavé, lorsqu'il sera ensuite séché, sera plus stable. Cette dernière démarche de lavage n'est pas sans analogie avec la météorisation des sous-sols des mines désaffectées, qui soulève des problèmes environnementaux récurrents de drainage minier. En effet, les mines de fer, de cuivre, de zinc, d'or sont riches en sulfure de toutes sortes, qui en s'oxydant libèrent des sulfates et souvent aussi des métaux lourds. Ces phénomènes d'oxydation et de solubilisation ont de tout temps été utilisés pour produire des sulfates métalliques, auxquels on a selon les âges donné le nom d'alun, atramentum, cuprose, vitriol. Et ces sulfates entrent par exemple dans la composition des encres ferrogalliques. Ce qui fait que je m'éloigne de ce sujet, mais pas tant que ça finalement.
Les témoignages de cette production remontent à l'Antiquité, avec Pline l'Ancien qui décrit par le menu différentes façons d'obtenir des sulfates avec les eaux de ruissellement des mines. Plus tard, à partir du XVIe siècle, on sait utiliser directement le minerai que l'on nomme terre vitriolique. Et l'encyclopédie Diderot d'Alembert, par exemple, décrit comment exposer cette terre à l'humidité et à l'oxygène avant de la mettre en lessive. Alors on vous dit, la terre vitriolique est exposée pendant 6 mois à l'air, remuée de temps en temps pour refroidir et oxygéner. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réactions exothermiques. La terre s'attendrit, le tout est couvert et gardé encore 6 mois, puis mis en lessive. Et dans cette terre vitriolique, je pense que nous avons encore beaucoup de matière organique qui contient des sulfures, de façon assez analogue à ce que nous avons sur les schistes et les bois lignitisés. Un autre best-seller de l'époque, le recueil de pyritologie de Johann Friedrich Henkel, nous livre avec le vocabulaire de l'époque une autre description de ces phénomènes d'oxydation. Il nous dit, bon, c'est la traduction française que je vous sers, « Mais de toutes ces disputes de mots d'auteur, j'entends par là les disputes sur les différentes appellations de ces sulfures et sulfates, donc toutes ces disputes peuvent être conciliées en disant qu'une roche grise ou noirâtre et pyriteuse fournit un vitriol qui est blanc ou qui le paroît-elle à cause de la finesse de ces petits cristaux semblables à des cheveux ou qui se réduit en une poudre blanche qui finit par devenir jaune. Voilà la manière la plus naturelle d'expliquer ce que Pline et d'autres auteurs ont dit que « sori transit in calcitine et calcitine in misi ». Ce que l'on peut traduire en langage moderne, les minerais riches en sulfure conduisent en s'oxydant à la formation de sulfate de fer 2, puis en sulfate de fer 3. Ce que l'on retrouve en définitive sur les schistes argileux endommagés de nos collections. J'espère dans mon propos vous avoir montré que les phénomènes d'altération rencontrés dans les collections de paléontologie sont certes de moins grande ampleur, mais d'une nature chimique assez similaire aux transformations du sol qui conduisent au drainage minier polluant. Toute démarche fondamentale visant à mieux comprendre ces phénomènes sera utile à la conservation des collections, mais aussi à la préservation de l'environnement. Je voudrais remercier mes collègues du CRCC, mais également mes collègues du Muséum national d'histoire naturelle, sans lequel je n'aurais pas pu entamer ce travail. Merci beaucoup. Perfect.